On est en train de régler le problème, hein. Je crois qu'on va voir l'identité. Performance en tout cas de Jean-Pierre Berger, hein, qui a réussi à revenir sur, sur Lionel Chanton. Oublié de ses 5 Héroises. Voilà, nous avons encore 5 également. Jean-Baptiste Pinson, le Stéphanois de la Rudeur du Chambon-Feugerolles. C'est très bien. On va prendre sans surprise avec Louis Favori, donc on vient répondre présent. Et ils sont en train de s'expliquer, surtout de tous, et de savourer la performance de ce cycle de ce matin sur ce circuit de Voiron. Attention, attention.
quatrième là, donc Passons accompagné de Il a gagné une année là, j'ai vu gagner. Ah mais là ça va être trop loin, c'est mieux. Ça va être trop loin, ça va beaucoup plus. Ouais. Oui, Arnaud, c'est bon, ça. Thank you.
Saison, championnat de France, master, donc plus de 40 ans et surtout championnat du monde, et il ne va jamais se relever, même si à un moment on va lui dire tu as course gagnée,
Il ne va pas se relâcher, il va rester très concentré. Le faire des efforts jusqu'à la 50e minute, jusqu'à l'arrivée. Et là maintenant, c'est pour Tiberio que ça devient compliqué, sous la menace du duo, donc du duo Meunier-Caru et Jean-Baptiste Pinson. Ça devient compliqué maintenant pour Johan Tiberio qui n'est pas passé encore sur la ligne. Le voici maintenant, Johan Tiberio, donc à deux tours de l'arrivée, sous la menace, oh oui, et ils sont revenus pratiquement à sa hauteur, la jonction est imminente. Voilà donc quel travail de Jean-Baptiste Pinson, qui n'aura pas laissé en tout cas sur les parties visibles passer une seule fois Fabrice Meunier-Caru. Il assure la plus grosse partie du travail, et donc est en train de revenir sur Tiberio. Voilà, à cet instant, la jonction est opérée. Tiberio est donc rejoint son 3 ensemble maintenant pour la seconde place de ce cyclo-cross de Voiron. Voilà son 3 maintenant, alors que derrière, Gilles Tressert est sous la menace lui aussi de son ami équipier Christophe Cavazzana et également de Nicolas Dublier. Allez. Voilà, retour maintenant du côté des planches, puisque c'est vrai qu'on va retrouver dans quelques instants donc la tête de course avec bien évidemment Lionel Genton, mais surtout cette deuxième place, ce superbe retour de Jean-Baptiste Pinson qui a déjà gagné quelques 3 ou 4 cyclocross cet hiver. Genton est à pas loin de 10 succès déjà cet hiver. Lionel Genton qui aime bien quand on lui rappelle qu'il avait terminé 6e des championnats de France, remporté par Francis Mouret. C'était en 2007. Voilà, il y avait les professionnels devant et puis il y avait Lionel Genton, l'amateur, dans le top 10. Genton donc qu'on va retrouver dans quelques secondes. Et juste derrière donc le trio, superbe trio maintenant pour la place de 2. Est-ce que Tiberio va rester un petit peu sous la réserve maintenant? Est-ce que Pinson va payer les efforts qu'il a fournis pour revenir à la hauteur du cours de Charvieux dans le Tiberio. Vainqueur en Suisse, donc de ce championnat du monde des plus de 40 ans. C'est vrai qu'il est encore tout jeune vétéran. Au niveau des planches, il semble avoir aperçu là dans les sous-bois Lionel Genton. Le voici avec son beau maillot de champion du monde, le voici au niveau des planches. Voilà, on va l'applaudir, Lionel Genton, superbe démonstration encore aujourd'hui. Voilà Lionel Genton qui remonte aussi vite qu'il est descendu de sa machine. Voilà, très encouragé sur le parcours par un public de connaisseurs. Et là maintenant, attention, car on va retrouver maintenant trois coureurs ensemble. Tiberio a donc été rejoint par le duo Pinson, alors que Pinson est parti à l'attaque maintenant. Ah, ils n'ont pas laissé Tiberio récupérer, puisque Pinson a pris quelques longueurs d'avance. On va retrouver maintenant, oui effectivement, Pinson, Jean-Baptiste Pinson, elle mérite une belle ovation. Regardez-le avec son maillot bleu à la première planche. Superbe deuxième place pour l'instant. Bon retour sur Tiberio, il est accompagné du maillot noir de Fabrice Meunier-Caru. Tiberio, on va l'appeler également Tiberio dans les planches. Ah, moralement, ça va être difficile hein, pour l'ancien motard, l'ancien vainqueur du Grand Prix Moto de Monza. Ah, moralement, c'est dur hein, puisque il était il y a tout juste 5 minutes, il était encore. Ouais. Il est à tête perdue. On retrouve donc en 5e position. Le voici le dossier 4. Il est toujours 5e, Gilles Tressert. Étoile sportive, c'est nous.
Voilà, avec le maillot de Le Boiron, avec Grégory Braillon, Franz Alves et Arnaud Sévoz. Et avec Christophe Tavazala maintenant. Allez, Nico, un bon retour avec Nicolas Doublier. Il fait un beau retour. Oh, il est bon aujourd'hui. Il est toujours là, il est là. On l'a pas vu. Je croyais que c'était son frère. Ah non, c'est Il y en a deux, il y en a deux. Ça m'a fait plaisir d'entendre sonner la cloche du dernier tour. Tapez vraiment pour le dernier tour. Pierre Prévière, vélo club Spinalien. Là, comme vous pouvez avoir une petite pensée pour Loïc et Pierre, donc on voit le niveau de finale. Je crois qu'il avait gagné ici, je crois qu'il y a deux ans, il avait gagné Loïc et Pierre. Il est décédé l'année dernière, en 2013. Sinon, il aurait été bel et bien présent aujourd'hui sur ce cyclocross de Var. Finalement, j'entends, j'ai peut-être apercevoir le petit virage. On se joint à la route du chambon feu jaune qui vient de distancer donc à la foyonne Tiberio qu'on retrouve maintenant dans les planches. Et donc, son dernier adversaire, Fabrice Meunier-Caru. Voilà, donc les positions ne devraient guère changer là sur les deux dernières minutes de course. On va se tourner du côté de la ligne d'arrivée maintenant, puisque Lionel Champagne est plus très loin maintenant de savourer son succès aujourd'hui. Voici le cross de Poiron. Allez Florian. Et plus de 40 ans, titre obtenu donc l'hiver dernier en Suisse. Et donc ça mérite bien une superbe ovation. Il va falloir vraiment faire du bruit sur la ligne pour saluer donc ce coureur qui a dépassé la quarantaine et qui demeure l'un des meilleurs spécialistes français. Il avait terminé 6e des championnats derrière John Cadray. Il faisait partie des meilleurs Français, il l'est toujours. On salue, mesdames, messieurs, faites du bruit. Lionel Janton, champion du monde, vainqueur à Voiron. Superbe succès, Lionel Janton, donc, en tête de bout en bout. Il remporte là, donc, une énième victoire en cyclocross. Lui qui est également un excellent routier. On l'a vu briller sur de très, très belles courses nationales. Et donc, superbe succès, mais on va retrouver très rapidement maintenant, parce qu'il aura été l'homme des deux derniers tours. Il nous vient de la région de Saint-Étienne, du Chambon-Feugerolles. Jean-Baptiste Pinson vient prendre une excellente deuxième place. Quelle finale! On doit se dire s'il y avait eu un coup de plus de la réserve, la troisième place. Fabrice Meunier-Caru qui a résisté longtemps aux deux leaders, et notamment à Jean-Baptiste Pinson. Et pendant que Charles Chavagneux, le voici, mesdames, messieurs. Voilà le champion moto, le vainqueur du Grand Prix moto de Monza, qui cumule les 3e et les 4e places. On salue Johan Tiberio sous ses nouvelles couleurs de Charles Chavagneux et Cyclisme, lui qui a évolué au team Pro Imo Charles Chavagneux. Voilà donc d'autres arrivées maintenant. Voilà, on va attendre derrière la 4e, donc la 5e place. Nous avions juste donc après son arrivée, Lionel, si tu es par là, si tu peux te rapprocher de la ligne d'arrivée. Là, je suis 20 mètres derrière. Voilà, on a une épreuve palpitante. Il a fallu quand même attendre pour aller vers la victoire. Beaucoup de suspense alors que termine maintenant toujours dans le top 10. Même mieux position. Ça, voilà, belle performance hein, pour les deux sociétaires du club de Haute-Savoie. Voilà, on va retrouver encore trois coureurs pour le top 10. Avec, là, il y a des sprints hein, pour des places d'honneur. Il y a beaucoup de coureurs qui ont été cyclocross à venir pour tous ces coureurs. Christophe
c'est nos 120. Je cherche les deux autres du podium hein, pour Nathan Jean-Baptiste. Si tu veux t'approcher, on aimerait. Je crois que le public nombreux auront envie de t'écouter également. Jean-Baptiste Pinson et Fabrice Meunier-Caru qui vont compléter le podium aux côtés de Lionel Janton. On va vous proposer le podium tout de suite. Ce qui vous permettra de. Et aujourd'hui, jour de Coupe de France, on arrive à réunir plus de 60 coureurs au départ, donc c'est très beau. Vainqueur à Voiron, superbe succès, Guillaume Fougeron, Jean-Baptiste Pinson vient prendre une excellente deuxième place. Quelle finale! Fabrice Caru qui a résisté longtemps aux deux leaders, et notamment à Jean-Baptiste. Vainqueur à Voiron, superbe succès, vainqueur à Voiron, superbe succès.